lot. Yasfam sa. Senlora! Whoa! Plasma! Oh, Dad! Ow! Luffy! Luffy! Salut, ici Missing et on se retrouve pour un cinquième épisode avec Laura Craft. Donc on retrouve Laura à la bibliothèque de Windenberg. Elle est en train de faire des recherches. Elle fait des recherches sur quoi ? Elle fait des recherches sur cette petite statuette qu'elle a retrouvée à côté du corps de son père. Parce que comme vous avez pu le voir juste avant, il s'est passé quand même quelques trucs... depuis l'épisode précédent, donc en gros, Laura est revenue de la jungle avec son père, et les recherches pour retrouver Werner ont été lancées. Malheureusement, on ne l'a pas retrouvé, donc les recherches continuaient, hein, mais Laura n'était pas impliquée, pas plus que du coup son père ou sa mère. Et du coup, elle a continué sa vie, elle est devenue jeune adulte, et malheureusement, elle a perdu ses parents au cours de route, et son père qui est mort de combustion spontanée, et sa mère est morte d'une maladie mystérieuse, et du coup, la seule chose qu'elle a retrouvée, c'est cette petite relique à côté de son père qu'elle avait jamais vu avant, et elle se demande si ça n'a pas un lien, donc du coup... Et elle fait des recherches à la bibliothèque pour essayer de trouver, d'en savoir un peu plus. Mais puis direz-vous, elle aurait pu retourner dans la jungle pour faire ses recherches. Mais non, parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Parce qu'une fois que ses parents sont morts, elle a découvert qu'ils avaient des dettes. Et pour pouvoir payer les dettes, elle a dû se séparer d'une grande partie, une très très grande partie de sa fortune. Et elle a dû aussi se séparer du manoir, donc elle n'habite plus dans le manoir. Elle a dû trouver un petit job en tant que directrice dans les affaires. Et du coup, elle fait ses recherches comme elle peut, puisqu'elle n'a pas accès, elle peut pas, elle a pas les moyens d'aller dans la jungle pour l'instant. Donc en fait, elle travaille un peu, elle fait des économies, et elle va attendre d'aller dans la jungle. Donc du coup, elle va aller voir, le livre, elle trouve pas ce qu'elle veut. Donc elle va aller voir la bibliothécaire pour lui demander si elle n'a pas plus d'infos sur ce qui peut se passer. Du coup elle merci. Et du coup elle va lui demander si elle n'a pas plus de bouquins sur Salvadorada, parce que elle n'en a pas ici. C'est un rat de bibliothèque, on est content de le savoir. Du coup, la bibliothécaire qui a l'habitude de la voir venir un peu tous les soirs, la petite désolée, je crois qu'on a épuisé tout ce qu'on a. Vous devriez peut-être essayer l'ordinateur. Donc, Laura va aller essayer l'ordinateur.
qui se trouve ici. Donc elle va aller faire des recherches. Sur la fièvre du rongeur, sur les méthodes d'éducation. Bon, elle va aller surfer sur le web. Il n'y a pas de livre d'archéologie, elle est bibliothèque. Donc elle va un peu surfer sur le web pour trouver un peu ce qu'elle veut. Mais bien sûr, elle va pas trouver, parce que ça serait trop facile sinon s'il y avait un détail qui disait « Relique de la mort de Zaza Totol en or, ça fait ça ». Ou alors c'est ça fait partie de ça. Donc du coup, là, ça fait un peu sur le web. Donc là, elle est à Windenburg, parce que bon, il n'y a pas de bibliothèque ailleurs. Enfin, il y en a, mais je me suis dit que celle-là, ça serait sympa. Ça change un peu de la bibliothèque de Willow Creek. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait de bibliothèque à Brindleton Bay. Il n'y en a pas non plus à Sagrada Dorada. De toute façon, elle ne peut pas y aller. Donc il fait des recherches. Elle fait des recherches. Et okay, elle a rien trouvé, il commence à se faire tard, elle va remercier la bibliothécaire quand même pour son aide, dire qu'elle reviendra demain au cas où, que si jamais, si elle pouvait demander aux gens qui passent s'ils savaient où est-ce qu'elle pourrait trouver des infos. Outre que la bibliothèque, ça serait sympathique. Et du coup, elle va rentrer chez elle. Donc elle va lui dire au revoir. Donc elle va lui dire au revoir et elle va rentrer. Elle va aller boire un café en rentrant. Donc il vient d'arriver au café et elle va ou pas commander un café si elle peut, si le barman a décidé de faire son boulot. Non, je veux pas préparer une boisson, je veux commander une boisson s'il vous plaît, merci. Donc il arrive et elle va ou pas. Ok, c'est possible de commander une boisson ou pas? Si, commander une boisson sur place et elle va prendre un mocha. Je sais pas si elle va avoir son café ou pas. Donc du coup, elle a grandi, je suis plutôt assez fier de moi. Elle a gagné tous les traits de compétences qui sont plutôt spéciaux, enfin qui sont spéciaux, tous les traits positifs. Donc je ne sais pas si elle va avoir son café ou pas. Est-ce que c'est possible d'avoir mon café? Madame, commander une boisson sur place ou pas? Alors, ça va être possible ou pas d'avoir son café? Bon, essaie de le voler s'il te plaît. Oups. Je crois qu'elle s'est fait avoir. Bon, s'il pouvait éviter de changer de barman toutes les 5 secondes, ce serait génial. Donc, bonjour, j'aimerais un mocha si c'est possible. Commander une boisson à emporter. Non, pas emporter. Bon, elle est emportée parce que ça a mis trop de temps. On va voir si elle va avoir son mocha ou pas. Là, elle attend. Ah, elle va l'avoir. Donc, elle va prendre son mocha à emporter. Et à emporter, en fait, le principe, c'est pas que tu t'assois et que tu le bois ici. Le principe, en fait, c'est que tu rentres à la maison avec, en fait. A priori, le principe est pas super machin. Donc elle va rentrer chez elle et comme elle habite plus au manoir et qu'elle a pas beaucoup d'argent, elle habite dans un appartement à San Michuno, Maishuno. Donc c'est un appartement avec des gremlins. Donc peut-être qu'à un moment donné tout va péter et que... Donc elle a plus son café, hein, on est d'accord. Voilà, elle a plus son café, tout va bien.
Donc éventuellement, on va voir si, aller voir s'il n'y a pas quelque chose en bas. Donc elle va commander à manger. Elle va aller manger un tagine pour finir la journée. Y a le mec qui la suit partout. Hop, donc elle commande Buddy. son tagine. Tu peux manger. Alors elle va ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rentrer chez elle pour le manger. Et ensuite, ou pas, tu veux rentrer chez toi. Ouais, ok, super. Elle va rentrer chez elle pour le manger. Et ensuite, elle va continuer à faire des recherches sur Internet. Voilà, et elle va continuer à faire des recherches. Donc elle va ressortir Lidl pour la mettre par terre, tout à fait. Là. Et du coup, elle va web parcourir, parcourir des œuvres d'art. Vérifier si c'est pas sur les sites. Donc elle a rien trouvé. Il commence à se faire tard. Elle va aller aux toilettes et elle va aller dormir. Hop. Donc c'est le matin. Elle se réveille. Donc elle va utiliser. Elle va prendre une douche. Elle va voir si il y a. Tiens, il y a du thé. Donc, elle va aller commander un. Commander une boisson et elle va prendre un thé noir total, je sais pas ce que ça fait avant d'aller travailler. Donc elle s'est habillée pour aller travailler, elle a mis sa tenue la plus classe, elle travaille quand même dans un bureau. Il y a son sosie. Tu peux prendre ton thé si tu veux. Donc hop. Parler un petit peu avec les gens qui sont autour. Parce qu'il est poli. Donc elle va aller s'asseoir. Hop. Hop. Elle va jeter son truc. Et elle travaille dans 20 minutes. Donc, elle va aller travailler dans pas très longtemps. Elle va aller jeter une pièce dans la fontaine pour faire un vœu. Elle va souhaiter que, en fait, qu'elle retrouve qu'elle apprenne ce qui s'est passé avec ses parents. Et aussi, éventuellement, de retrouver sa fortune. Pour pouvoir retourner au manoir, et là elle va travailler dans une tenue plus moche que ce que j'avais choisi. Enfin, j'espère. Alors, c'est bien ce qu'elle remonte pour aller travailler, c'est génial. Donc, Laura vient de rentrer. Bon, elle est pas très très en forme. Hop, elle va prendre une douche pour se changer. Et. Elle va manger un peu. Elle va se faire à manger. Et elle va aller acheter à manger en bas. Donc en bas, qu'est-ce qu'il y a à manger? Il y a toujours la même chose que ce matin. C'est génial. Ok, à quoi manger? À manger des, à manger un bel pourri. Bel fourri, le truc quoi. Belle pourrie, purie, belle purie, belle pourrie, ça fait pas très. Donc hop, elle commande ou pas parce qu'ils s'en vont, oh, c'est génial. Elle est un peu énervée quand même parce que ça ferme un moment, elle arrive. Et donc du coup, bah, elle va rentrer chez elle. Finalement, elle va rentrer chez elle pour manger. Elle va aller manger un repas rapide.
Elle va manger un sandwich jambon fromage. Magnifique. Puisque... Hop, tu peux t'asseoir pour manger. Elle va manger. Et surtout, ensuite, elle va se mettre une tenue un peu plus détendue. Ok, c'est comme tu veux. Voilà. Hop. Et comme elle est tendue, elle va aller mettre de la musique. Elle a gagné un peu d'argent, donc elle va s'acheter un appareil électronique. Elle va s'acheter de quoi mettre de la musique. Voilà. Hop. Allumer. Elle va mettre. Allez, de la pop. Elle va régler le volume à élevé. Et elle va danser. Parce que c'est pas facile. Et donc voilà, maintenant qu'elle est assez détendue, elle va repartir sur ses recherches, elle va parcourir Simpedia pour voir si elle trouve pas qu'est-ce qui pourrait... Enfin, s'il n'y a pas des références aux reliques anciennes de Salvador Ada. Elle a rien trouvé du tout. Donc, il est fait fascinant, mais elle a rien trouvé du tout. Et elle sait vraiment pas quoi penser. Donc ça l'a fait un peu. Ça l'a fait un peu rager. Et du coup, elle va dormir. Elle va aller dormir. Et elle va se reposer. Elle sera en forme le lendemain matin. Donc Lara s'est levée et en se levant, elle a eu la mauvaise surprise de se rendre compte qu'elle avait des souris dans son appartement, en plus d'être en retard au travail. Donc déjà, elle va appeler son travail en disant qu'elle se sent pas bien. Je crois qu'elle peut pas. Donc tant pis. Et du coup, bah, elle va aller voir un de ses voisins pour lui demander si il ne peut pas l'aider, s'il n'a pas ce qu'il faut pour lutter contre les souris. Quelle attention voisin. Et là, quand la porte s'ouvre, elle a une immense surprise, puisque son voisin n'est autre que Julio, le guide, en fait, qui était avec eux, donc qui était avec elle et Werner dans la jungle. Et du coup, elle ne savait pas du tout qu'il était là, parce qu'en fait, ses journées, c'est aller travailler, aller à la bibliothèque, aller travailler, faire des recherches. Donc, elle ne connaît pas du tout ses voisins. C'était la première fois qu'elle frappait chez lui. Et du coup, bah, lui non plus ne savait pas du tout. Donc, c'est la grande surprise. Donc, elle va quand même. C'est bien ici. Dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Julio? Je ne savais même pas que tu étais là. Et donc, bah, lui aussi, il est super surpris quand même. Et du coup, ils vont se rappeler le bon vieux temps. Ou pas. Quand elle aura fini d'attendre l'occupant, ça serait bien. Voilà. Je sais pas où ils vont, mais... Et où vous êtes où? Ok. Alors si vous voulez, ça serait mieux d'aller ici, en fait. On va faire un petit groupe. Plus de choix. Action. Ajouter à la bande. Donc ils vont aller ici ensemble. Et donc du coup, il va l'inviter dans son appartement. Bon, bah, parce qu'il va pas la laisser devant la porte, du coup. Super, c'est pas obligé de frapper. Voilà, donc Julio l'a invité chez elle, enfin chez lui, pardon. Bon, il n'allait pas la laisser sur le pas de la porte. Elle fait, oh, c'est plutôt sympathique chez toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? Je pense que guide, c'est pas tout à fait ce qui rapporte, enfin c'est pas ça qui te rapporte beaucoup. Fait non, mais je travaille dans l'informatique. Et du coup, elle est un peu étonnée parce qu'elle bon, était quand même dans la jungle, c'était quand même son truc et tout. Et
Je dis oui, mais en fait, après que vous soyez parti de la jungle, on a cherché Werner partout, on l'a pas retrouvé. Et il s'est passé autre chose qui est quand même... plutôt triste. Sa mère a disparu en fait. Peu après la disparition de Werner, sa mère aussi a disparu. Et du coup, il a été élevé par quelqu'un dans la ville. Quelqu'un de sa famille qui habite pas à Salvadorana mais dans la ville. Et du coup, il s'est retrouvé ici dans cet appartement. Et il va jeter ses poubelles en plein milieu si tu veux. Alors, ah mince, je crois qu'il a pas de. Alors, si tu pouvais venir, ça serait bien après. Ok, merci. Tu peux revenir? Hop. Et du coup, Elulon, et toi, qu'est-ce que tu fais là? T'avais pas un grand manoir? Ils sont tes parents? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont pas aidé? Tout ça. Donc, du coup, on va discuter de ce qui s'est passé un peu de sa vie. Ses parents sont. Enfin, qu'elle a perdu son manoir à la suite de la mort de ses parents. Et donc, lui, quand même, il se demande mais comment tes parents ils sont morts? Est-ce que. Enfin, ton père avait l'air plutôt jeune, tout ça. Et du coup, elle va. Va lui expliquer du coup que sa mère est morte d'une maladie mystérieuse et que son père est mort par combustion spontanée, ce qui n'est pas du tout possible en soi. Et du coup, lui dit mais je suis complètement désolé. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Donc, il dit non, pas du tout. En fait, je cherche justement. Je cherche à savoir ce qui s'est passé. Et le seul indice que j'ai, et je trouve dans mon appart, et en fait j'essaie justement de trouver qu'est-ce que c'est. Est-ce que éventuellement, tiens, puisque toi tu t'y connais en jungle, est-ce que tu voudrais pas venir jeter un œil? Bien sûr, il est totalement d'accord. Et donc du coup, elle va l'amener dans son appartement pour lui montrer l'idole. Donc, ils viennent d'arriver dans l'appartement de Laura. Julio a conseillé à Lara d'appeler le propriétaire pour régler son problème de souris. Le propriétaire est venu. Et du coup, en fait, ils ont pu parler un peu de la relique qui se trouve sur le bureau de Lara. Elle lui dit, effectivement, ça vient de chez moi. Enfin, ça vient de Salvadorada, mais je sais pas du tout ce que ça fait, je sais pas du tout à quoi ça sert. Et malheureusement, je ne pourrais pas t'aider. Juste demander. Donc, en fait, quand elle veut parler un petit peu. Excusez-moi, j'ai une conversation. On a une conversation privée, est-ce que vous pourriez partir? Voilà. Donc, du coup, ils peuvent reprendre le cours de leur conversation à propos de l'idole. Ils disent, mais tu devrais aller voir à Salvadorada. Ils devraient pouvoir te dire ce que c'est exactement. Le problème, c'est que j'ai pas les moyens d'y aller, en fait. Parce que j'ai pas d'argent, si j'avais de l'argent, je n'habiterais pas ici, j'ai tout perdu quand mes parents sont morts, on avait des dettes, j'ai dû vendre le manoir pour pouvoir payer, et avec le peu que j'ai récupéré, j'ai pu m'offrir cet appartement. C'est pas le meilleur, mais il y a pire. Et du coup, elle lui demande si éventuellement il ne voudrait pas l'aider à chercher en fait tout ce qui est possible sur cette idole. Il dit mais j'ai encore mieux, peut-être que je pourrais t'aider à y aller. On se revoit demain. Et donc il rentre chez lui. Et donc, le lendemain matin, Lara est quand même un peu intriguée par le départ rapide de Julio, qui savait pas trop, qui est parti plutôt abruptement par rapport à toute la conversation qu'ils ont eue avant. Et malheureusement, une fois qu'elle rentre dans sa cuisine, salon, salle à manger, salle de bain, son esprit est un peu ailleurs, parce que tout a cassé pendant la nuit. Donc elle va appeler son propriétaire, ou pas, est-ce qu'on peut appeler le propriétaire ? Il faut qu'elle appelle un réparateur. Donc elle va appeler un réparateur et elle va aller chez Julio
pour du coup savoir appeler le réparateur. Bon, on va faire hop, contacter service d'information. Elle va aller chez Julio pour lui demander si elle peut manger chez lui, si elle peut prendre une douche chez lui, si elle peut se laver chez lui. Parce que du coup tout est cassé et en même temps elle va en profiter pour lui demander pourquoi est-ce qu'il est parti si rapidement hier? Donc elle arrive chez Julio elle va lui parler en lui demandant si elle peut en lui expliquant que tout a cassé chez elle et que elle a besoin en fait si elle peut se préparer chez lui du coup. Oh, Bien sûr, il lui dit pas de souci. Tu peux. Chimray Jabin Pas de souci, fais comme chez toi. Tu peux prendre ta douche ici si tu veux. Donc elle va aller aux toilettes. Qu'elle remercie et ensuite elle va aller aux toilettes. Elle va prendre sa douche. Elle va lui proposer. Non, on peut pas fermer la porte. Elle va lui proposer de préparer le petit déjeuner pour qu'ils puissent manger ensemble. Donc, ça y est, elle a fini de prendre sa douche. Et elle va lui proposer de préparer le petit déjeuner pour le remercier en attendant que ça soit réparé chez elle. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de frigo. Donc ça va être compliqué de faire à manger. Du coup, elle va lui faire des pancakes. Ça va, le petit déjeuner. Elle va faire le petit déjeuner, merci. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, des pancakes. Hop. Et lui, pendant ce temps, il va s'asseoir là. Et ils vont papoter. Donc, elle, quand même, comme elle est curieuse, elle va lui demander. Bon, alors, t'es parti un peu rapidement hier. Pourquoi tu me dis pas? Pourquoi tu me parles pas de son idée? J'aimerais bien savoir ce que tu voulais dire par peut-être que je peux t'aider. Et puis après, t'es parti tout de suite. Et je dis, je suis désolé, j'ai pas eu le temps encore de mettre tout ça en place, je peux pas t'en parler pour l'instant. Je pense qu'en fait, je pourrai t'en parler dès que ça sera prêt. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on continue les recherches. Si tu veux, je pourrais venir t'aider. Et je te parlerai de mon idée dès que je pourrai t'en parler. Et nous, sur ce, on va se quitter et on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir quelle est l'idée de Julio. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Salut!